Bonjour, je m'appelle Maxime Lagacé, j'ai 11 ans et j'habite à Saint-Hubert-de-la-Rivière-du-Loup. Aujourd'hui, je vais vous présenter ce livre, L'univers est un ninja, le livre bleu. J'ai aimé ce livre car la première couverture qui était très colorée et avait l'air captivante. Puis j'ai lu le résumé puis j'ai trouvé ça vraiment... j'ai aimé ça. Le résumé, ça a commencé... après une guerre avec les dieux et les ninjas. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle l'univers d'un ninja. Puis, le grand A, l'artefact, était détruit. Donc, il restait deux survivants, Io et Lune. Io, c'est lui, puis Lune, c'est elle. Ils se sont rencontrés un jour quand il fallait qu'il y ait une ampoule à Célius, un des dieux créateurs, pour Lune, elle voulait voir si c'était vraiment un ninja. Puis là, vu qu'il parlait pas, elle pouvait pas vraiment dire. Tu sais, Io parle pas, il y a pas de bouche. Fait qu'ils ont fait un combat. Puis Io, on dirait qu'il est bizarre parce qu'à chaque fois qu'il voit du bleu, ses yeux viennent tous bleus, puis il se transforme comme vraiment un vrai ninja du temps de la guerre. Je recommande ce livre à ceux qui ont aimé la série Agent-Jean, qui est de Alex A, qui est aussi le fun. Puis ça, c'est le tome 1. Il n'y en a pas encore un deuxième. Puis c'est ça. Merci d'avoir pris ma vidéo.